definitely more my style than Panama. Or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right. It wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited. Really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life, just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Ici Glitch Towers pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Max Payne 3. Alors casque, okay, c'est bon, ça m'est enregistré. Donc voilà les gens, donc on se retrouve sur Max Payne 3. Donc voilà, j'avais décidé de faire une nouvelle vidéo. Donc voilà, partiel, visée libre, tout. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre partiel à 100. Donc à chaque cinématique, le genre, bien sûr, je couperai. Donc voilà, donc là, ça va être une cinématique. Donc je vais vous laisser encore une fois sur ça. Et on se retrouve de toute façon directement après, hein, vous savez bien. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Chapitre 1. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change.
Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. You just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious, though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look-alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an ice and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. Right, look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't... lost my edge, along with everything else. Okay. Donc voilà, genre, donc salut à toutes et à tous pour ceux qui m'auraient pas entendu. On est sur Max Payne 3, donc voilà, donc en gros je vous explique vite fait, donc on est tranquille. En fait, c'est des gens des favelas qui sont venus, squatter le truc. Donc est venu squatter notre petite fête pour venir voler la sœur à mafieux. Et voilà, donc ils vont sûrement demander une récompense. Oula.
je connais plus trop les touches. Comment est-ce qu'on court? Alors ce jeu est très réaliste. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more vodka in her Cosmo. Donc en fait on incarne un joueur de mafieux. Moi perso il me fait plus penser à Michael de GTA 5, mais bon c'est le truc illogique. Mais non, il fait vraiment penser c'est un gros mafieux en fait, qui boit beaucoup d'alcool et qui a perdu toute sa famille. Donc voilà en fait. Voilà la fille qui s'appelle, je sais plus comment. Donc c'est de la mafia brésilienne. It might have been stupidity or drunkenness or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Un nouveau pour une femme. C'est-à-dire qu'il a dû risquer sa vie pour sauver sa femme. Dépêche-toi. Magnifique. Juste magnifique. Tranquila! Tranquila! Nós cuidamos disso. Nice work! De ceux qui n'ont pas compris, il lui a dit qu'elle devait rester tranquille et de ne plus bouger. Donc le but de l'histoire c'est de retrouver ces putains de mafieux qui sont liés à la police. Donc oui, ils sont en magouille avec les policiers brésiliens. Donc voilà. Donc j'ai pensé au justifier cette vidéo, car c'est au Brésil où il y a les favelas et tout ça. Car de manière c'est la Coupe du Monde, enfin le début de la Coupe du Monde, d'après ce qu'on m'a dit, donc voilà. Where's Bronco? Ça va mec? En même temps j'essaie de chercher les pièces en or, car on peut avoir les petits pistolets en or, ça c'est sympathique. Ok. I've done them enough favors. I didn't need to give them more of a head start. Okay, so yeah. Okay, what the fuck else? What the fuck? Juste magnifique. Et froid. Wow. Donc en même temps les gars, je voulais vous parler d'un petit sujet. Donc c'était le sujet Donc c'était pour voir d'un petit sujet les gars, donc c'était le sujet des vacances, donc j'espère que vos examens se sont bien passés. Ou ceux qui devaient passer le bac pour en France, moi je suis belge, donc pour ceux qui devaient passer le bac ou quoi, mais tant mieux pour vous, j'espère que vous avez réussi. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Boss alive, almost as much as I did. Allez. Oh.
Ouais, donc c'était pour savoir les gars si vous avez passé un putain de fucking bon réveillon. Bon alors, bon réveillon de Noël, c'est ça. Enfin, si vous avez réussi à faire vos examens tranquillou et tout. Donc je vais quand même diminuer, voilà, parce que ça m'a l'air quand même un peu fort pour vous. Désolé pour le bruit. Donc j'espère vraiment que vos examens se seront vraiment bien passés. Puis de toute façon, je verrai pas pourquoi. Pourquoi ça serait mal passé. Donc c'est les vacances, c'est posé. Pour ceux qui jouent à la play, vous allez pouvoir geek comme des porcs. Et en même temps, n'hésitez pas à me dire si vous partez en vacances ou vous partez en vacances. C'est toujours sympa de le dire. Donc voilà, donc j'ai le petit gun dans l'heure. Voilà. C'est instantané, je sais pas comment on fait. Donc dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que c'est, enfin pour moi, c'est vraiment réaliste. C'est vraiment réaliste. Le seul truc qui est difficile, c'est la dernière mission. C'est vraiment c'est dur. Oh, la M4 elle est super dure. Hein. Oh, stress que mort. Les... What? One shot le mec. Trop magnifique la vue qu'on avait. C'est un genre de style 007. Oh. Ah, voilà le président, je pense. Président, je sais plus quoi. Parce que j'ai fini le jeu, donc je connais un peu la série vite fait. Paf. Headshot, motherfucker. Stay down, Mr. Bronco! Mais s'il te plaît, oh et les gars, je fais de ces sales vues quand même. Oh, j'ai quand même raté une balle. Fuck, plus de mille. Mr. Bronco, Mr. Bronco. Oh, ce qui est bien avec ce jeu, voilà, c'est que quand on peut changer, quand on a un fusil d'assaut et qu'on veut changer d'arme en prenant un petit pistolet. Ouh là, par contre, je parle, mais je dis pas beaucoup. Ouh, l'effet de la balle qui monte comme ça en pleine tête. Tiens, c'est juste magnifique, les gens. Franchement, j'adore. Alors là, alors il y a beaucoup de gens qui me demandent, et oui, parce que je sais bien que les gens sont pressés et tout ça. Donc moi j'ai, on va dire, enfin, je suis pas vraiment pressé dans la vie, moi je suis vraiment un mec calme. À part vraiment quand on m'énerve quoi. Mais sinon, faut vraiment... oh merde. Désolé, il faut vraiment vraiment rester calme les gars. Je sais que vous êtes pressés, que vous voulez savoir c'est qui les fameux gagnants du concours. Comme j'ai vu, enfin j'ai voulu clore le concours, mais en fait non, car il y a encore plein de gens qui commentent la vidéo, donc je vais laisser commander, je vais encore laisser le temps. Donc en fait, je vous laisse le concours, se terminera dès que j'aurai ma console et que j'aurai mis la vidéo sur YouTube. Donc c'est à dire que dès que j'aurai ma console, je ferai une vidéo entre guillemets de découverte, même si les trois quarts des gens savent ce que c'est une PS3 Rogero. Donc voilà, donc le concours se terminera là et je dirai plus en détail comment se passera le, allez, comment vous dire, le déroulement du concours, comment je vais choisir les gagnants et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment très important de ne pas s'affoler dans mes vidéos, car j'ai déjà remarqué que beaucoup de personnes me demandaient justement quand c'était la fin du concours ou même quand la console arrive chez moi. Donc pour le moment elle est entre guillemets à la frontière française, donc
si elle ne reste pas trop bloquée, ben non, parce que des fois ça peut rester bloqué une semaine là-bas. Normalement, ben, je l'aurai assez rapidement, enfin, elle arrivera, on va dire, assez rapidement en Belgique, et puis le temps que se fasse distribuer, quoi. Donc voilà. Donc je l'aurai sûrement lundi, mardi, grand maximum mercredi. Voilà. Et puis voilà, donc je vous ferai sûrement un petit unboxing ou quoi, si c'est une PS3 normale et tout, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà les gens, donc moi je vais vous laisser regarder tranquillou le petit, la petite cinématique. Et puis on se reprend tout de suite après si c'est pas la fin du chapitre, car si c'est la fin du chapitre, on se laissera pour cette vidéo. Et puis voilà, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc oui, donc c'est le chapitre 2. Donc je vais, si vous voulez bien, je vais juste regarder combien de temps il reste. Je suis à 20 minutes de vidéo, donc ouais les gens, c'est trop dur. Donc si vous voulez, je verrai avec une deuxième vidéo directement à la fin. Donc c'était Glitchtower, donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me dire si vous avez bien aimé, et on se retrouve directement après ça. Donc regardez, je mets même pause, voilà, donc je mets pause et on se retrouve directement pour le prochain épisode. Voilà.